Hello, hello. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un petit tableau avec tout ce que j'ai pu recevoir d'Hélène. Donc, Hélène RH, qui actuellement n'est plus trop présente sur YouTube parce qu'elle est très malade. Donc, je te fais gros bisous, ma belle. J'espère que ça ira nettement mieux très rapidement. Elle m'avait envoyé une jolie petite boîte avec, bien sûr, un ATC. Mais là, du coup, c'était les petits cadeaux, hein, selon Hélène. Hein. Donc, qui m'a envoyé une boîte absolument remplie de plein de merveilles, tout assorti, très shabby, et donc je me suis dit que j'allais faire un tableau avec ce qu'elle m'a envoyé. Alors, j'ai rajouté 2-3 petites choses, mais globalement, je vais essayer d'utiliser le maximum d'objets qu'elle m'a envoyé, donc notamment ces petites tulles, ces petites dentelles aussi. Alors, cette dentelle, elle est absolument magnifique, quoi. Oh! Je sais pas si tu l'as trouvée, mais vraiment, elle est sublime, quoi. Voilà, donc les fleurs, elle m'a mis aussi des petites perles. Et puis des petits sujets en plâtre. Voilà. Donc, j'essaierai d'utiliser le maximum d'objets. Et bien sûr, comme c'est dans des tons un petit peu rose, vert, jaune, je me suis dit que j'allais prendre le Magic Paint Golden Lemon. Donc, c'est un Magic Paint avec effet. Et ça va pas faire le focus si. Non, pas si je le demande pas. Voilà. Et j'ai pris également 3 mousses embellishment. Donc ce sont des mousses embellishment. Donc ça, si vous les connaissez, c'est la Mother of Pearl et la Citrus Green. Ouais, je suis toujours aussi nulle en anglais. Hein. Et donc la petite nouvelle, c'est la Triple Berry. 3B. J'imagine que ça veut dire fruits rouges. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 mousses embellishment. J'ai pris bien sûr donc de la colle en gel, hein, qui est un gel médium. J'ai pris également un primer pour les peintures à l'eau, puisque je vais cheater en fait du Magic Paint. Donc bien sûr un spray à eau. Celui-là, il est très très bien, mais il en existe d'autres qui spray assez de façon assez diffuse. C'est le cas de ceux qui sont vendus en grand format à Créatitude. Ce sont des... ne prenez pas les easing qui font des gros pâtés. Prenez plutôt ceux qui sont assez grands en plastique. C'est beaucoup mieux. J'ai également pris donc, des Hearthstone, donc les mini et les de taille normale. Je ne saurais pas comment vous dire autrement. Voilà. Prévoyez bien sûr un pinceau poils synthétiques. Pour la colle, ok, surtout poil synthétique, hein, parce que si vous prenez un poil, un pinceau avec des poils naturels, ben, vous n'arriverez jamais à enlever toute la colle. Donc surtout, il faut penser aux poils synthétiques, sinon vous allez bousiller votre pinceau. J'ai pris également des petites spatules pour les mousses embellishment. Voilà, donc oui, ils ont vécu la guerre, hein, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que j'arrive encore à les utiliser. J'ai également ressorti, donc j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Ce sont des petits tags de la marque Prima en craft. Peu importe de quelle marque ils s'en trouvent, hein, évidemment. Et j'ai également acheté récemment un mélange de petits cailloux en résine. Donc là, ils mettent, il y en a 46. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. Voilà, c'est comme des perles de pluie. Ça doit être des perles de pluie, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, donc je vais essayer d'amorcer quelque chose avec ça et ça nous vous floue. Je pense que la suite se passera en musique, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous laisse avec le tutoriel. Bye bye.